Monsieur Pierre Dharréville pour le groupe GDR. Merci, Madame la Présidente. Oui, Madame la Ministre, la réponse que vous venez de faire à mon collègue Adrien Quatennens, je crois, me permet de mettre le doigt sur effectivement ce qui me semble être un désaccord assez important, assez fondamental entre nous, et dont la situation dont vous venez de parler est un des symptômes. C'est la question de la répartition des richesses créées par l'entreprise, dans l'entreprise, qui demeure, y compris dans le projet de loi que vous nous proposez par ordonnance, un tabou. Je considère qu'à partir d'un certain niveau de rémunération et d'écart de rémunération dans une même entreprise, il y a quelque chose d'indu, de scandaleux pour une partie. Excusez-moi de vous couper, Madame la Ministre a déjà répondu à la question. Donc, on l'a entendu, on a la réponse, elle ne vous satisfait pas, je comprends. Mais est-ce que vous voulez bien revenir à l'ordre du jour qui est l'examen de la loi ? Je croyais pouvoir m'exprimer, Madame la Présidente, donc je vais le faire en présentant quelques attendus et effectivement des questions, si vous me le permettez, en espérant que ça sera décompté de mon temps de parole. Donc, je crois qu'effectivement, c'est bien le lieu d'en parler. Vous avez dit que ce n'est pas le lieu d'en parler. Je crois que c'est bien le lieu d'en parler, de savoir qu'est-ce que nous pouvons faire, du point de vue de la loi, pour faire face à cela. Je crois qu'il y a beaucoup d'inquiétudes de la part des organisations syndicales qui perdurent, et notamment, effectivement, sur le poids des actionnaires dans la décision. Vous avez dit à mon collègue tout à l'heure, ça commence par les actionnaires, c'est bien le problème. Donc la question qu'il pose, c'est comment... Est-ce que le fait syndical sera renforcé? Donc j'aurai, moi, deux questions à vous poser pour essayer de ne pas excéder mon temps de parole. D'abord, c'est savoir ce que vous avez retenu de ce qui vous a été dit par les organisations syndicales dans le cadre de ce qui n'était pas une négociation ou une discussion, mais bien une concertation. Et ils n'ont pas eu le sentiment réellement d'avoir toutes les réponses attendues à leurs questions. Qu'allez-vous retenir de leurs propositions? Comment allez-vous renforcer le fait syndical et les droits des salariés? Deuxième question, qu'avez-vous retenu du débat au Sénat et qu'est-ce qui, dans les dispositions introduites par le Sénat, vous semble présenter un intérêt pour la suite ?